Mais nous, on a choisi ces noms-là et vu que nous étions philosophiquement dans un courant matérialiste et matérialisme dialectique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il n'y avait pas de la spiritualité chez nous, comme il y a par exemple chez Kandinsky, ou un peu de mysticisme comme Mondrian. Non, on était strictement matérialiste, attaché à l'objet et à la matière, et tout cela.